Ok, bonjour tout le monde. On a encore un ou deux minutes avant 11 h, mais on va commencer parce que je pense pas qu'on aura grand monde qui va entrer là. Alors notre sujet pour aujourd'hui, c'est l'évolution de la coopération qui peut sembler une question en dehors de la biologie, mais vous aurez tort de penser comme ça, parce qu'en fait, la coopération fait partie de beaucoup de systèmes biologiques, et c'est quelque chose qui a posé un certain nombre de problèmes pour la théorie de l'évolution par sélection naturelle. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de considérer l'évolution de la coopération. Donc notre plan pour aujourd'hui, c'est que pour vous, vous devez bien saisir pourquoi l'existence de la coopération en biologie pose un problème ou un paradoxe pour la sélection naturelle. Deuxièmement, enfin, à partir de là, moi, je vais présenter différentes solutions qui ont été proposées pour résoudre ce paradoxe. Donc, la première, c'est la kin selection. Donc déjà, vous devez comprendre ce que c'est que ça et comprendre la formalisation de la kin selection qui est sous la forme de la règle d'Hamilton et qui va impliquer le coefficient de relation. Donc, il faut être bien clair sur ces trois choses-là. Un autre modèle qui a été proposé pour expliquer l'existence de la coopération en biologie, c'est l'altruisme réciproque. Et pour cela, vous devez comprendre qu'est-ce que c'est la stratégie tit for tat et pourquoi cette stratégie permet l'émergence de la coopération dans une population malgré la présence d'égoïstes. Ensuite, on va élargir un petit peu notre discussion pour essayer de comprendre la coévolution de hôtes et des parasites et comprendre quelles sont les conditions qui permettent à cette interaction d'évoluer vers un mutualisme. Et on va terminer avec un résumé des différents modèles théoriques qui, semble-t-il, permettent l'émergence de la coopération. Donc, le paradoxe de la coopération, pourquoi c'est un problème pour la sélection naturelle? Bon, déjà, il faut avoir une définition claire de ce que ça veut dire la coopération. Donc, c'est un comportement qui va bénéficier à un autre individu. Et on peut citer deux types de comportements coopératifs. Le mutualisme. Dans le cas d'un mutualisme, deux individus vont interagir et les deux vont récupérer un bénéfice. Donc, lors de l'interaction, bon, chacun va supporter un coût. Il va récupérer un bénéfice, mais le bénéfice sera supérieur au coût. Donc chacun est gagnant dans l'affaire. À côté de ça, on a l'altruisme. Lors d'une interaction altruiste, il y a un donateur qui rend service ou donne quelque chose à un receveur. Donc le donateur supporte un coût et le receveur récupère un bénéfice. Alors, le problème, c'est que il semble difficile d'imaginer comment le mutualisme et certainement l'altruisme peuvent émerger si on considère que la sélection naturelle, explicitée par Darwin, est le moteur principal de l'évolution. Parce que dans la sélection naturelle, au sein d'une population, le moteur, c'est la compétition entre individus pour la survie et pour la reproduction. Donc, si la compétition est vraiment ce qui compte, comment on peut observer de la coopération? Or, quand on regarde bien, la coopération existe à bien des endroits dans la biologie.
Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui était remarqué, pas par un biologiste, mais par un anarchiste russe qui vivait à Londres, qui s'appelait le prince Kropotkine, qui lui, il avait lu sur l'origine des espèces dès sa parution et était outré par Darwin, parce que pour lui, pour des raisons un peu politiques, hein, il ne voulait pas que la compétition, la vie soit réduite à une compétition entre individus. Donc, Kropotkine a trouvé que c'était inadmissible, et d'ailleurs, il a repliqué en publiant un livre à son tour où il décrivait différents exemples où il y avait la coopération qui existait en biologie, et en disant, Monsieur Darwin, vous avez tout tort, parce que ce n'est pas la compétition qui est le moteur de l'évolution de la vie et des systèmes vivants, c'est la coopération. Regardez mes exemples. Et donc le débat entre est-ce que la coopération biologie est cohérente ou non avec la sélection naturelle date de cette époque, date de ces discussions au XIXe siècle. Alors, une chose qui est importante de comprendre, c'est que la coopération en biologie, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel ou rare. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent et extrêmement important pour beaucoup d'organismes. Et donc, on a des exemples de compétition intra-espèces. Donc, chez différentes espèces comme les chauves-souris vampires, il peut y avoir un partage de ressources. Chez plusieurs espèces d'oiseaux, on a un comportement coopératif vis-à-vis d'oiseaux de proie. C'est-à-dire que quand il y a un oiseau qui repère ou qui est poursuivi par un oiseau de proie, il va émettre un cri. Les autres oiseaux dans le groupe vont se mettre ensemble et vont attaquer l'oiseau de proie et le chasser. Donc, c'est un comportement collectif. Et dans les deux cas, les animaux qui participent à ce comportement collectif ou qui participent à un partage de ressources, ils supportent un coût. Et celui qui donne un peu à manger à un autre animal, il a un peu moins à manger pour lui-même. Les animaux, les oiseaux qui participent à chasser un oiseau de proie, ils risquent d'être blessés dans cette action. Donc, ils supportent un certain risque. Donc, ce n'est pas des choses gratuites. Donc, il y a un coût. L'exemple le plus extrême de coopération dans le monde animal, c'est peut-être ce que l'on voit chez les insectes sociaux. Donc, chez les abeilles, les travailleuses travaillent toute leur vie et elles se reproduisent absolument pas. Elles travaillent 100% de leur vie pour la réussite reproductrice de la reine. Donc, c'est un sacrifice total ici. Et il existe aussi plusieurs exemples de coopération interespèces, les lichens, qui sont les symbioses entre les moisissures et les algues photosynthétiques, les interactions entre des animaux et des anémones, ici, Nemo et petit son papa avec l'anémone. Donc, ce n'est pas des choses rares, ce sont des choses extrêmement fréquentes. Nous et nos bactéries dans l'intestin, c'est une relation mutualiste. Alors, ce sont des choses extrêmement répandues dans le monde biologique et qui méritent une explication. Et la coopération entre individus au sein d'une population, toute seule, est-elle compatible avec ces observations? Alors, la première explication proposée pour l'existence de la coopération, c'était proposée par un zoologue qui s'appelait Wynne Edwards, qui a proposé au début des années 1960 que des comportements coopératifs au sein d'un groupe étaient favorisés par l'évolution parce qu'ils bénéficiaient le groupe et que le groupe, c'était l'objet de sélection, et même ou qu'il y avait la possibilité que les groupes sont en compétition entre eux et ce n'est pas juste les individus au sein d'un groupe qui sont en compétition. Donc un comportement qui est bénéfique pour le groupe, peut émerger, même si il est défavorisé lors des interactions entre les individus au sein d'un groupe. Donc ça, c'était la sélection de groupe qui était proposée en début des années 1960. Or, après avoir publié ça, tous les biologistes de l'époque ont dit non. Monsieur Wynne Edwards, ce n'est pas ça,
Et ce n'est pas possible votre système parce que la coopération entre individus au sein d'un groupe sera toujours plus, ou la compétition entre individus au sein d'un groupe sera toujours plus forte, va toujours l'emporter sur les interactions intergroupes. Donc, cette idée de sélection de groupe a été retoquée et on a recherché d'autres explications. Donc, c'est là-dessus où on voit entrer en scène la théorie de la kin selection. Et pour comprendre la kin selection, il faut revisiter un petit peu le concept de valeur sélective d'un individu au sein d'une population. Donc, l'idée de base de la sélection naturelle, c'est que à chaque génération, les différents individus d'une génération vont avoir différentes valeurs sélectives ou des fitness distinctes. Et c'est les individus qui sont les plus adaptés, qui ont les valeurs sélectives les plus élevées, qui vont fonder les générations suivantes. Et en termes de génétique des populations, on peut définir la valeur sélective d'un individu comme étant le produit de sa viabilité et sa fertilité. Donc évidemment, quelqu'un qui ou un individu qui va investir 100% dans la viabilité, dans la robustesse, bah, il ne va pas se reproduire, donc sa valeur sélective sera zéro. L'inverse est aussi possible. Une plante qui fait plein de fleurs, mais qui ne va pas faire beaucoup en termes de tiges et de feuilles, va avoir une valeur sélective également de zéro. Donc l'optimum va se retrouver quelque part entre ces deux extrêmes. Mais il est extrêmement difficile dans une population naturelle de regarder chaque individu et mesurer un petit peu l'investissement qu'il met en reproduction et qu'il met en viabilité, et de déterminer sur le plan objectif quelle est la valeur sélective de chaque individu. Donc, de ce fait, les biologistes ont pris l'habitude de définir la valeur sélective d'un individu et de inverser le raisonnement de Darwin. Parce que Darwin a dit, OK, c'est les individus qui ont la valeur sélective la plus élevée vont laisser plus de descendance. Donc, si on inverse ce raisonnement, on peut dire les individus qui ont laissé le plus de descendance, c'est eux qui avaient la valeur sélective la plus élevée. Et si ça c'est vrai, on peut mesurer la valeur sélective des individus au sein d'une génération en comptant le nombre de progéniteurs de leurs progéniteurs qui survivent jusqu'à l'âge adulte. Donc l'avantage de ce système, c'est que ça donne une façon de mesurer la valeur sélective darwinienne des individus au sein d'une population. Mais il prend comme vrai que la sélection naturelle existe et qui est correcte. Donc on ne peut pas utiliser ça pour prouver la sélection naturelle, parce que c'est un argument circulaire. Donc néanmoins, c'est ça la définition de la valeur sélective directe d'un individu. Nombre de progéniteurs qui survivent jusqu'à l'âge adulte. Mais Hamilton, sa génie, son déclic, c'était de se rendre compte que, en faisant comme ça, on oublie quelque chose. On oublie que les allèles, parce que quand on se reproduit, qu'est-ce qu'on se transmet à la génération suivante? On transmet ses gènes et ses variantes génétiques, les allèles que l'on possède. Et ce n'est pas que nous qui possédons ces allèles. D'autres membres de notre famille plus élargie partagent les mêmes allèles. Donc Hamilton, il a compris qu'en fait, imaginons qu'on a un individu ici, petit a, si cet individu est sans descendance directe, classiquement, on va dire que sa valeur sélective darwinienne est zéro. Pas de descendance. Or, Hamilton, il s'est rendu compte que, en fait, si cet individu-là aide un autre membre de sa famille de survivre ou de se reproduire, alors il va aider la transmission des allèles que lui-même il partage. Donc, il peut promouvoir la transmission de son matériel génétique indirectement en proposant une aide ou en distribuant, en donnant de l'aide aux parents de sa famille. Donc, il a dit, en quelque sorte, l'idée d'Hamilton, c'est de dire, OK, on a tort de se focaliser sur les individus.
ce n'est pas des individus qui sont transmis d'une génération à une autre, ce sont des allèles, ce sont des gènes. Et donc, ce qui compte, c'est les effets d'un comportement sur la transmission des allèles, quel que soit l'individu qui va les porter. Donc, ça, c'est très intéressant parce qu'il dit, donc, Hamilton, il a proposé que ce qui est important, c'est la valeur sélective inclusive d'un individu, qui est sa valeur sélective darwinienne classique, donc la descendance directe, et les effets positifs sur la survie des parents. Parce que ces parents-là, ils partagent un certain nombre d'allèles avec vous. Une fois qu'on a compris ça nous donne un outil pour comprendre quelles sont les conditions qui peuvent favoriser l'émergence d'un comportement altruiste. Parce que ça nous indique directement qu'un comportement altruiste vis-à-vis des parents sera avantageux au niveau génétique des populations. Pas pour l'individu, mais sera avantageux si cette inégalité est respectée. C'est le coût pour l'individu qui donne l'aide altruiste doit être inférieur au bénéfice qui est reçu par le receveur multiplié par le coefficient de relation. Ça, c'est le degré de parenté. Le degré de parenté entre les deux personnes. Donc, si cette inégalité est respectée, au niveau génétique, okay, au niveau de génétique des populations, un comportement altruiste peut être favorisé. Et s'il est favorisé, ben, il peut émerger par la sélection naturelle. Donc, le paradoxe posé par l'existence de la coopération va se résoudre. Et la coopération, par kin selection, ne sera pas incohérente avec la sélection naturelle. Donc, pour regarder ça de plus près, R, le coefficient de relation, c'est quoi exactement? C'est la proportion moyenne d'allèles chez l'individu A qui sont partagés avec un parent B. Et on le calcule de façon suivante. Donc, c'est 0,5 ou 1,5 aux puissances n. Et n, c'est le nombre de pas dans l'arbre généalogique. Et ça, multiplié par le nombre de parents en commun. Donc, A et B sont frères et sœurs. Le nombre de pas dans l'arbre génétique, c'est un pas en montant, un pas en descendant, deux pas. Donc, on a 0,5 au carré, deux pas en commun, 0,5. Je partage la moitié de mes allèles avec ma sœur. Ou au moins, c'est ce que mes parents m'ont dit. Alors, parents-enfants, on a un pas dans l'arbre généalogique, mais un pas en commun. Donc, R égale 0,5. Et ainsi de suite. Donc, la logique de la règle d'Hamilton veut dire que bon, si vous êtes dans une situation de vie ou de mort, le coût que vous pouvez porter, c'est 100%. Vous allez mourir. Donc, ça serait logique ou avantageux sur le plan de la biologie évolutive de sacrifier votre vie pour sauver deux sœurs, deux frères et sœurs ou huit cousins. C'est ça la logique. Ok, bon, je vais voir si vous avez compris ça. Donc, je vous propose de regarder cette petite situation imaginaire et de réfléchir à qu'est-ce que vous devez faire si vous suivez uniquement la règle de Hamilton. Okay, le 20% ici, l'idée c'est que vous avez 20% de mourir. Ça, c'est votre risque là. C'est le risque que vous encourez. C'est bon là, tout le monde a assez réfléchi sur ça? Oui? Oui, non?
Vous êtes prêt à vous prononcer sur le bon comportement? Ok. Alors, qui dit 1? Vous restez sur place sans rien faire. 0. Qui dit 2? Vous poussez un cri d'alarme. Waouh, pas mal de monde. On va dire que c'est 40 à peu près. Qui dit 3? Il faut retourner auprès de la troupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à peu près 10. 4. Vous attaquez les loups. La charge héroïque. Ok, là, vous 5, là. Valeur sélective 0. Vous êtes mort. Finito, finito pour vos allèles. Là. Ouais, justement, là, vous êtes trop sympa. Tous les gens qui ont dit 2, je dois faire pousser un cri d'alarme. Hey, regardez, c'est quoi le risque? Vous avez 20% de chance de mourir. Ça, c'est votre coût, là. Votre coût, c'est 0,2. Le coefficient de relation, si vous sauvez la vie de votre le petit, là, il n'a que 17% de relation avec vous. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous allez risquer 20% pour sauver 17%? Si vous suivez uniquement la règle d'Abitone, la réponse est non. Donc, vous devez retourner discrètement auprès de la troupe comme un lâche. C'est ça la logique de ça, de la règle d'Abitone. La logique, ce n'est pas de dire « je fais tout pour les parents ». J'aide les parents, mais dans une certaine mesure. Et plus que les parents sont éloignés, moins je les aide. OK? C'est ça la logique de base. Et on ne parle pas de moralité, hein. Ça, c'est coopération sans moralité. C'est uniquement dans l'intérêt de transmettre ces gènes. Donc ça, c'est le cadre théorique. Est-ce que ça existe pour de vrai? Ça a l'air bien en théorie, mais bon, est-ce que la biologie marche comme ça? Il y a quelques exemples où des gens pensent qu'effectivement, la kin selection semble s'opérer. Donc, chez plusieurs espèces d'oiseaux, chez les corbeaux, lorsque les jeunes oiseaux sont encore dans le nid, on a les deux parents qui participent à les protéger, à les nourrir. Mais souvent, on trouve qu'il y a un troisième adulte qui vient pour apporter de l'aide comme une sorte de parent auxiliaire. Et cette troisième parent auxiliaire, dans la plupart des cas, c'est un parent proche. C'est un grand frère des petits oiseaux juvéniles qui sont dans le nid. Et donc, les oiseaux ne vont pas aller apporter un aide à un couple d'oiseaux sans lien de parenté. Donc ça semble être un exemple où l'aide est préférentiellement ciblée vers les parents, et la kin selection. Kin selection, c'est proposé comme une explication pour ce comportement. Donc, on a aussi un exemple un peu macabre qui semble être un petit peu l'inverse, chez une espèce de salamandre. Donc, les œufs vont éclore dans l'eau et la plupart des individus qui vont éclore vont développer en herbivore et en omnivore. Ils vont brouter. Mais une minorité des individus à chaque génération vont développer un grand mâchoire et vont devenir des carnivores. Et une de leurs sources de nourriture, c'est les têtards de la même espèce, leurs petits frères et sœurs. Potentiellement. Or, quand on regarde bien, les individus cannibales vont manger préférentiellement des individus non apparentés. Donc, c'est un exemple un peu pervers de la kin selection parce qu'ils favorisent les parents proches en évitant de les manger. Et le grand exemple qui était proposé par Hamilton, c'était que les insectes sociaux, le niveau de coopération que l'on voit chez les insectes sociaux peut être expliqué par la kin selection à cause de la mode de reproduction basée sur l'haplodiploïdie. Et c'est ça l'explication. Alors, pour comprendre ça, c'est quoi l'haplodiploïdie? Et c'est quoi le truc qu'il faut expliquer? Ce qu'il faut expliquer, c'est ça. C'est que chez les travailleuses, elles ont une altruisme extrême, parce qu'elles ne se reproduisent absolument pas. Leur contribution génétique à la descendance, c'est zéro. Parce que donc leur fitness darwinien direct, c'est zéro.
Donc vous allez me dire que oui, mais c'est que la reine qui peut être fertilisée. Donc elles n'ont aucune chance de se reproduire, les travailleuses. Mais en fait, les travailleuses peuvent pondre des œufs qui vont être non fertilisés. Et ces œufs, lorsqu'ils vont éclore, vont donner produiront des mâles. Des faux bourdons en français ou les drones en anglais. C'est pour ça que j'ai mis ça en Dale. Mais dans la plupart des cas, les travailleuses ne le font pas. Donc elles ne se reproduisent pas. Et il favorise uniquement la reproduction de la reine. Alors, l'explication d'Hamilton, c'était que tout ça, c'est à cause de coefficients de relation. Parce que lorsque un mâle fertilise la reine, c'est ça qui va donner des travailleuses, qui sont femelles, qui sont diploïdes. Entre deux travailleuses, le coefficient de relation, c'est 0,75. Parce que tous les jeux de chromosomes venant du parent mâle est partagé, donc ça, c'est déjà 0,5. Et il y a 0,25. Les allèles partagés avec qui viennent de la après la méiose chez la reine. Donc ça, c'est la coefficient de relation théorique entre deux travailleuses. Quand on regarde le coefficient de relation entre une travailleuse et un faux bourdon, un mâle, si elle pondait des œufs, coefficient de relation, c'est seulement 0,5. Elle partagerait seulement la moitié des allèles avec son fils. Donc, le coefficient de relation est plus élevé entre travailleuses, et c'est pour ça que les travailleuses sont d'accord ou consentent à favoriser la reproduction de la reine, parce qu'elles ont plus de ressemblance génétique avec une autre travailleuse qu'avec leur propre fils. Donc ça, c'est l'explication donnée par Hamilton pour expliquer la corréparation extrême chez les sociétés insectes. Donc, initialement, c'était reçu avec stupéfaction par la communauté d'entomologues. Ensuite, c'était extrêmement populaire comme explication. Mais un petit peu comme toujours, la question, c'est la théorie est superbe, extrêmement belle. Est-ce que c'est vrai? Et il y a plusieurs objections. Donc, quand on regarde bien, la reine n'est pas fertilisée par un seul mâle. Et elle garde les spermatozoïdes de plusieurs mâles. Donc en fait, le coefficient de relation entre travailleuses est inférieur à 0,75. Alors l'autre chose que l'on a regardé, c'est si la polydiploïdie est essentielle, on doit trouver que toutes les espèces haploïdes sont des insectes sociaux et inversement aussi. Or, on a plusieurs espèces d'abeilles ou de guêpes qui ont une mode de reproduction haplodiploïde, mais qui sont solitaires. Donc l'haplodiploïdie n'est pas suffisant à elle toute seule pour pousser les insectes vers un comportement social. Et l'inverse est aussi vrai, parce qu'il y a des espèces d'insectes sociaux, comme les termites, qui vivent en colonie, mais qui ne sont pas haplodiploïdes. Donc l'haplodiploïdie, ce n'est pas nécessaire non plus. Donc, néanmoins, les insectes sociaux sont rares en dehors des hyménoptères, ou là où l'haplodiploïdie est fréquente. Donc on a tendance à penser que l'haploïdie est néanmoins un facteur qui favorise l'émergence de ce comportement coopératif chez les insectes, même si ce n'est pas tout. Donc ça, c'est des exemples de kin selection, mais la kin selection repose sur le fait qu'il est possible de distinguer les membres de sa famille. Okay, si on veut favoriser les membres de sa propre famille par un comportement altruiste, il faut d'abord les identifier. Donc, chez les oiseaux, chez les corbeaux, ce n'est pas un problème. Ce sont des animaux très intelligents. Ils ont une bonne reconnaissance visuelle, olfactive ou même auditive. Et ils ont des capacités de mémoire, donc ils peuvent se souvenir de qui est qui dans le groupe. Ça, c'est OK. Chez les salamandres cannibales, apparemment, c'est l'odorat. Donc, ils peuvent sentir le niveau d'apparenté d'autres individus dans la population. Et ils discriminent sur cette base-là. Alors, chez les insectes sociaux, ce n'est pas la parenté directe de l'individu qui est
qui est reconnue, mais c'est plutôt le fait d'être présent dans la ruche ou dans la colonie. Tout le monde dans la ruche fait partie de la famille. Et à l'extérieur des ruches, aux entrées, il y a des abeilles de garde qui vérifient toutes les abeilles qui se posent, qui veulent rentrer dans la ruche. Et elles les reniflent et reconnaissent l'odeur de la ruche qui vient de la cire des cellules. Pareil, un petit peu chez les fourmis, ce n'est pas le niveau de parenté génétique qui est reconnu. Et ça, c'est montré par le phénomène d'esclavage. Donc, il y a des espèces de fourmis qui vont aller piquer des œufs chez d'autres colonies. Quand ces œufs éclosent, les fourmis qui sortent ne se rendent jamais compte qu'elles vivent au sein d'une colonie qui est totalement étrangère. Donc, l'appartenance à la colonie, c'est quelque chose qui n'est pas génétique, c'est acquis. Donc, kin selection, c'est une solution qui résout le paradoxe de l'émergence de la coopération et qui respecte la sélection naturelle. Mais il n'explique pas tout. Et d'ailleurs, il y a des gens qui disent, est-ce que vraiment c'est une découverte? Parce que quand on regarde dans les modèles de génétique des populations, notre coefficient oméga s'est appliqué sur la valeur sélective, c'est tout sur toute la population. On ne fait pas la distinction entre la valeur sélective directe et indirecte. C'est un peu couper les cheveux en quatre de proposer ces deux effets sur la descendance, sur la valeur sélective d'un individu. Je pense que c'est un peu sévère vis-à-vis d'Hamilton cette reproche, parce que Hamilton avait bien raison, je pense, de pointer le doigt sur le fait qu'on était trop concentré sur les effets de la descendance directe d'un individu. Et c'est grâce à lui que l'on voit des choses de façon un peu plus générale maintenant. Donc néanmoins, la kin selection a ses limites parce qu'il n'explique pas vraiment tous les comportements coopératifs. Quand on regarde bien, dans certains cas de coopération intra-espèce, les comportements mutualistes ne sont pas forcément dirigés vis-à-vis des parents. Et évidemment, la kin selection ne peut pas expliquer la coopération entre espèces. Okay? Entre Nemo et son anémone qui l'héberge, il y a zéro allèle en commun. Donc la kin selection, c'est totalement n'est pas pertinent pour ces exemples de coopération. Donc il faut d'autres modèles. Alors, le deuxième modèle qu'on va considérer, c'est l'altruisme réciproque comme une base pour la coopération. L'altruisme réciproque, c'est quoi? Donc, dans la kin selection, on considère vraiment les interactions altruistes. Donc, il y a un donateur qui supporte un coût et un receveur qui récupère un bénéfice. Dans les interactions, dans l'altruisme réciproque, chaque individu supporte un coût au cours de l'interaction, mais il va recevoir quelque chose à son tour. Et le bénéfice pour chacun est plus grand que le coût, donc tout le monde est gagnant. Donc ça paraît simple comme ça, c'est gagnant-gagnant, qui va être contre ça? Mais le problème, c'est qu'il est pas évident de comprendre comment un comportement d'altruisme réciproque peut émerger au sein d'une population, ou ni comment il peut être stable quand on a un certain nombre d'individus égoïstes dans la population. Et pour illustrer le problème, je vous invite à imaginer de suivre cet exemple. Donc imaginons qu'on a une population altruiste ici, et que chaque fois que deux individus de cette population interagissent, il y a une interaction mutualiste où chacun va supporter un coût de deux unités de valeur sélective. Et au cours de l'interaction, chaque individu va récupérer un bénéfice de 5 unités de valeur sélective. Donc, le bénéfice net, c'est plus 3 pour les deux individus. Donc, jusque-là, tout baigne. Mais imaginons qu'une mutation arrive dans le gène qui favorise ou qui gère ces comportements. Et on voit l'apparition d'un individu mutant.
Et cet individu, quand il interagit avec, quand il rentre dans cette interaction-là, il ne va pas aider le deuxième individu, il va juste récupérer le bénéfice. Donc il ne supporte pas le coût, mais il récupère un bénéfice de plus 5. Le pauvre individu altruiste, là, bon, il a payé sa part, mais il n'a récupéré rien en retour. Donc lui, il est perdant, moins 2. Le problème, c'est qu'un individu égoïste, quand il rencontre un altruiste, il gagne plus que quand c'est un altruiste qui rencontre un altruiste. Et quand un égoïste rencontre un autre égoïste, et il ne supporte pas de coût, donc il est toujours mieux loti qu'un altruiste qui rencontre un égoïste. Donc, ce comportement égoïste sont favorisés dans la population. Et donc, au fur et à mesure que la population se reproduit, l'allèle qui code pour le comportement égoïste va se répandre et on trouvera la situation où on a une population totalement égoïste à la fin. Donc, le comportement altruiste qu'on avait au départ n'était pas un comportement stable. Et ça, c'est un peu le paradoxe. Comment est-ce qu'un comportement altruiste, même si on a une situation d'altruisme réciproque, il est difficile de voir comment il peut rester stable. Alors, cette histoire de coopération entre individus lors des interactions, c'est quelque chose qui intéresse les économistes, les sociologues. C'est une question qui dépasse la biologie. Donc, il y a eu un intérêt par des mathématiciens qui jouaient avec, enfin, qui s'intéressaient aux théories des jeux. Et un des modèles qui était utilisé, c'est le modèle du dilemme du prisonnier. Et le scénario, c'est le suivant. Vous et votre complice, vous avez braqué la poste chez vous et vous êtes arrêté juste après. La police vous coffre tous les deux. Mais en fait, vous avez caché le magot ou les indices. Donc, ils n'ont pas assez d'éléments concrets pour vous condamner vraiment pour le crime. Mais pour essayer d'obtenir une confession, ils vous mettent tous les deux à part. Et à tous les deux, ils vous proposent un marché. Et vous disent, OK, si vous dénoncez votre collègue, vous allez être libéré et c'est lui qui va porter le chapeau. Mais en même temps, ils proposent le marché à vos collègues aussi. Donc il y a deux personnes qui ont un choix à faire. Donc chacun, vous pouvez garder le silence ou tous les deux, vous pouvez trahir. Et donc on a quatre résultats possibles de ces deux choix. Donc, soit vous pouvez tous les deux garder les silences, auquel cas la police n'a pas assez d'éléments pour vous condamner. Donc, chacun vous sortez avec 6 mois avec sursis et c'est bon. Vous pouvez choisir de trahir votre complice. De toute façon, vous ne pouvez pas le supporter et c'est un minable, donc il mérite ce qu'il a. Donc, dans ce cas-là, si vous le trahissez, vous êtes libre, lui il en chope pour 10 ans de prison. De l'autre côté, lui il peut choisir de vous trahir aussi. Et dans ce cas-là, tous les deux vous êtes en taule. Et le pire qui puisse arriver pour vous, c'est que vous gardez le silence. Et dans ce cas-là, mais lui il vous trahit. Et dans ce cas-là, lui il est libre, mais vous vous en chopez pour vous êtes vous en prenez pour 10 ans. Donc ça, c'est le dilemme. Quel est le choix à faire? Évidemment, tous les deux, vous pourriez être gagnants comme ça, mais comment savoir? Vous courez le risque de payer gros. Donc je vous invite, oh, aïe, 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 pas vous laisser inviter pour de faire un jeu du dilemme de prisonnier. Donc, vous regardez votre voisin. Sans discussion, sans faire un deal, vous le regardez et vous décidez si vous allez coopérer ou le trahir. Entre binômes, chacun de vous, vous notez sur un papier. Quand vous avez tous les deux noté, vous montrez le résultat. Puis ensuite, on va voir qui c'est qui a trahi. OK?
Ok, c'est bon, tout le monde, vous avez décidé votre comportement? Oui? Ok, bon, pour les résultats, une personne par binôme. Ok, levez la main. Et on va voir combien on a de traîtres dans l'eau. D'accord? Ok, binôme par binôme. Combien de binômes, tous les deux, vous avez coopéré? Allez, 22. Alors, les binômes, tous les deux ont trahi. Est-ce qu'il y a des binômes, tous les deux ont trahi? Wow. Et les binômes, une personne a trahi, l'autre a coopéré. Oh! 1, 2, 3. Ok, voilà. 22 coopérer, 10 coopérer, trahir, et 7, les deux traîtres. Bon, ça, c'est le danger. Tout le monde qui est coopéré, vous courez le danger, vous faire avoir. En fait, ça, c'est un résultat très robuste, très reproductible. Quand on fait ce test chez des étudiants, dans des universités, on a pas mal de gens qui coopèrent. Or, mathématiquement, ce n'est pas ça le choix logique. Le choix logique, c'est de trahir. Parce que c'est là où vous risquez le moins. Dans un jeu de dilemme de prisonnier, à un seul tour, le choix logique, c'est de trahir. Parce que sinon, vous risquez de vous faire voir. Moi, je vais vous donner un exemple. Oui? Pardon? Oui, vous avez raison. Le choix logique va dépendre des coûts et des bénéfices. Donc c'est la réponse qu'on a. Ok, ben l'idée c'était qu'on jouait comme ça, là, avec cette matrice de coûts et de risques. Mais la réponse va dépendre de la matrice de coûts. Ça c'est vrai. Allez, vous voulez écouter mon anecdote, la vraie vie, un jeu de dilemme de prisonnier, coopération ou non, en une seule fois? Avec un vrai coup? Ah, ok, vous ne voulez pas savoir. Oui, ok. Alors, pour mon histoire, c'est quand j'habitais à Londres, la première année que je bossais à Londres, il y a bien des années, je dépannais mon vélo devant chez moi dans la rue, puis il y a un gars qui arrive chez moi, devant, il me dit, ah, excusez-moi, j'ai perdu mon portefeuille, j'ai pas d'argent, mais je dois rentrer chez moi, j'ai pas l'argent pour le bus, est-ce que vous pouvez m'aider? Et bon, les gars, il avait l'air sincère et tout ça. Il dit, mais ouais, combien et à la fin, il dit, j'ai juste besoin de 5 livres. Je trouvais que c'est un peu cher. Il dit, mais je passe souvent par ici, je vais venir la semaine prochaine, je suis là, je viens à vous. Donc, on s'est donné rendez-vous pour qu'il vienne me rembourser tout ça. Donc, j'y file les 5 livres. Ben, je n'ai plus jamais revu le gars. Donc, c'est une interaction coopérative en un seul tour. Et moi, j'ai coopéré, lui, il m'a trahi. Hein, c'est moi qui étais perdant dans l'affaire. Avec un inconnu, ok? Si on connaît des gens, on a plus l'habitude à coopérer avec eux. Mais si on est avec un inconnu, voilà. Donc, choix logique dans un jeu de prisonnier, à un seul tour, c'est de trahir. Comme ce qu'a fait le gars à Londres. Mais les choses changent un petit peu quand on a des interactions répétées. Pourquoi? Parce que si on a des interactions répétées, on peut connaître un petit peu ce qu'a joué l'autre personne par avant, et on peut essayer de modifier sa stratégie en fonction de ce qu'a joué l'autre personne par le passé. Donc, Robert Axelrod, il s'intéressait à cette question et il s'est dit, est-il possible de trouver une stratégie qui permet l'émergence de la coopération dans un jeu de dilemme de prisonniers itéré, c'est-à-dire quand on a des interactions répétées. Et donc, il a proposé un tournoi informatique et il a invité des gens à soumettre des stratégies. Il disait, OK, on va jouer un tournoi. Toutes les stratégies vont jouer 20 fois contre elles-mêmes et contre toutes les autres.
Et on va attribuer les points selon la matrice de points. OK, on a tant de points pour décoopération, on perd tant si on est trahi, etc. Et on va voir qui c'est qui a le plus de points à la fin. Donc, les stratégies, c'était un certain nombre. Coopérateur, il coopère tout le temps, un peu bêtement. Le défecteur, c'est celui qui va tricher tout le temps. Et puis, toutes les autres stratégies qui essayent de trouver l'optimum. Et à la surprise générale, la stratégie gagnante dans ce tournoi, c'était tit for tat. C'était une des stratégies les plus simples qui avaient été envoyées. Et sa stratégie était juste, elle coopère le premier tour, et ensuite il copie la réponse de son adversaire, ce que l'adversaire avait joué le tour précédent. Tout ce qu'il fait. Il ne réfléchit pas et il va juste copier. Elle va juste copier. Donc tit for tat a gagné le tournoi. Pourquoi? Pour deux raisons. Elle se fait pas avoir par des stratégies agressives. Ok, elle se fait avoir le premier tour, mais par la suite, elle se fait pas avoir deux fois. Ok? Donc, elle se fait plat exploiter. Mais par contre, contre des stratégies pacifiques, elle est capable d'instaurer la coopération. Et notamment parce qu'elle va coopérer le premier tour. Donc, ça, il y a des leçons pour la vie, là. Donc, il faut être ouvert à la coopération. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas se faire avoir. Tit for tat, c'est très très bête. Hein. Il n'y a pas de négociation, pas de discussion, il n'y a pas de Ah, j'ai pas rendu mon devoir cette semaine, je vais vous le rendre la semaine prochaine. Non. Hein. Tit for tat, c'est vous avez dit que c'était rendu cette semaine. Bon. Sanction. Et comme ça, tout le monde est clair ce qui va se passer. Donc. Tit for tat montre que l'altruisme réciproque peut émerger dans une population sous certaines conditions. Okay? Si on a des interactions répétées, ça c'est le truc très très important. Si on est capable d'identifier les différents individus et si on est capable de se souvenir de leurs actions. Parce qu'il faut être capable pour appliquer la stratégie, c'est une stratégie qui va être différente selon les individus. Mais néanmoins, on n'a pas besoin de l'intelligence, on n'a pas besoin de négocier, on n'a pas besoin de signer un contrat, on n'a pas besoin d'avoir un langage symbolique pour se mettre d'accord au préalable. Donc ça semble être un modèle qui peut exister en biologie. Et d'ailleurs, dans les années 80, il y a pas mal d'équipes qui ont commencé à chercher des exemples de tit for tat dans le vivant. Est-ce que ça existe? Bon, la réponse est oui, mais les exemples sont plutôt rares. Et l'exemple que tout le monde connaît et qui est devenu désormais classique, c'est l'exemple de partage de ressources chez les chauves-souris vampires. Donc, toutes les nuits, les chauves-souris vampires quittent leur cave, elles volent, elles s'attachent sur une proie et elles vont faire un petit trou dans la peau et sucer le sang de la victime jusqu'à ce qu'elle soit repue. Et ensuite, elles rentrent à la cave, le ventre bien plein. Alors, le problème pour les chauves-souris vampires, c'est que si elles ne mangent pas deux nuits de suite, elles vont mourir. Elles ont un fort niveau métabolique, comme tous les animaux qui volent. Elles ont besoin de manger régulièrement. Alors, quand les chercheurs ont regardé les chauves-souris une fois rentrées chez elles, ils ont remarqué que les chauves-souris qui n'avaient pas réussi à obtenir un repas, son gain pendant la nuit, quand elles rentraient, elles allaient s'approcher d'une autre chauve-souris qui, elle, avait mangé. Et d'ailleurs, ça se voyait parce que le ventre est distendu avec le sang, plein de sang, donc ça prend de la place. Donc on peut facilement identifier les oiseaux qui ont réussi à manger. Et l'oiseau, la chauve-souris qui n'avait pas mangé, aller solliciter un don en grattant un petit peu le ventre de celle qui avait mangé. Et si la chauve-souris consentit à aider, elle va donner un repas sanguin en regurgitant à la chauve-souris qui sollicitait de l'aide. Ce n'est pas quelque chose que je peux vous recommander à essayer chez vous, hein, mais néanmoins. Donc, c'est un comportement altruiste. Okay? Donc, il y a un donateur et un receveur.
Et le receveur reçoit quelque chose qui est vraiment très important pour sa survie. Donc, en regardant bien, les dons de nourriture étaient entre individus non apparentés, donc ce n'était pas un cas de kin selection, et les rôles étaient souvent inversés. Donc, c'était réciproque. Okay, donc, c'était un exemple de l'altruisme réciproque. Et en regardant bien, les chauves-souris distinguaient bien les différents individus qui cherchaient à solliciter un aide. Et si l'individu qui sollicitait l'aide avait refusé de donner de l'aide une nuit précédente, la chauve-souris qui avait bien mangé refusait de donner de l'aide. Donc, il y avait bien un élément de tit for tat là-dedans. C'est-à-dire que les chauves-souris qui avaient bien mangé ne donnaient pas de l'aide tout le temps quand elles étaient sollicitées, et modifier leur comportement en fonction de ce qu'avait fait l'autre individu auparavant. Donc ça semble être un exemple de tit for tat impliqué qui existe dans la nature. Mais c'est rare, c'est extrêmement rare, et c'est pas quelque chose de très répandu dans le vivant. Néanmoins, cette idée d'interaction répétée, de choix entre deux partenaires, c'est quelque chose qui va nous aider pour considérer l'évolution de mutualisme à partir de parasitisme. Donc les relations mutualistes et de relations hôte-parasite font partie des relations interspécifiques durables, où les deux espèces vont interagir sur plusieurs générations, et cette interaction va impacter l'évolution des deux partenaires, des deux espèces. Et c'est ce qu'on va appeler, c'est ce qu'on appelle la coévolution. Donc, la coévolution peut avoir lieu dans le cas de n'importe quelle interaction interspécifique, prédateur-proie. Ça, c'est vraiment les courses aux armements. Les proies vont devenir de plus en plus rapides pour échapper aux prédateurs. Le prédateur va devenir de plus en plus rapide pour être capable de les attraper. Et donc, on a une course aux armements. Donc, la coévolution va impacter les relations parasite-hôte ou mutualiste-hôte. Et dans les deux cas, on a un hôte qui va héberger un symbiote. Et un petit peu comme le dilemme du prisonnier, chaque individu qui interagit ici a un certain choix. Donc l'hôte, il peut essayer de héberger son parasite ou de le tuer. Et le parasite peut essayer de parasiter au maximum et retirer le maximum de ce qu'il peut récupérer chez l'hôte. Ou il peut essayer de rester tranquille un petit peu et pas se reproduire à gogo. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les deux cas? Donc, si l'hôte essaie d'éliminer le parasite et le parasite n'est pas trop agressif, l'hôte va réussir à éliminer le parasite. Et ça aura un bénéfice net pour l'hôte. Si l'hôte essaie de tuer le parasite et le parasite essaie de tuer l'hôte, on aura une sorte de course aux armements. Ça va être stable. Ils vont arriver à un équilibre où l'hôte essaie tout le temps de virer le parasite, il ne réussit pas. Le parasite essaie tout le temps de tuer l'hôte, il ne réussit pas non plus. Donc ça, c'est un équilibre ici. D'autre côté, si le parasite est très agressif et l'hôte ne fait rien pour l'éliminer, c'est l'hôte qui sera tué. Et le parasite va gagner au court terme, mais il ne pourra pas être transmis, parce que l'hôte, il a tué son hôte. Ça ce n'est pas stable non plus comme relation. De l'autre côté, si l'hôte essaie d'héberger le parasite sans l'éliminer, le parasite n'est pas trop méchant, bon, là aussi, c'est une situation qui peut être stable. Et donc, l'hôte et le parasite peuvent survivre dans ce cas-là. Donc, on a deux situations stables ici. Donc, une où tous les deux essaient de s'entretuer, et l'autre, où tous les deux partenaires, bon, ils essayent de s'accommoder. Alors, qu'est-ce qui fait le choix entre ces deux situations stables, okay? Parce que ça va être une relation d'entre-tuerie mutuelle, donc ça va être une relation pathogène, donc ça va être le parasitisme, et ça peut aller vers le mutualisme, ce type d'interaction. Alors, un facteur qui est très important, c'est le mode de transmission. Transmission horizontale, le parasite va être transmis à différents individus. Donc, il n'y a pas de lien de parenté entre les hôtes infectés par le parasite à chaque génération. Donc, ça, c'est des maladies infectieuses.
la grippe, la tuberculose, je vais transmettre mon parasite à vous. La transmission horizontale, ça. La transmission verticale, c'est pas ça, c'est la mère qui va transmettre son parasite à ses enfants. Et le parasite va persister de génération en génération par une transmission verticale. Et dans le cas d'une transmission verticale, évidemment, l'hôte, il peut pas tuer, ah, non, le parasite peut pas tuer son hôte, parce que le parasite est dépendant de la reproduction de l'hôte pour se transmettre lui-même. Et donc, en théorie, les parasites qui ont une transmission verticale doivent évoluer vers moins de pathogénicité et éventuellement vers un mutualisme. Okay? Donc ça, c'est la prédiction théorique. Est-ce que c'est vrai? Donc, l'exemple que je vais vous présenter ici, ce sont les alpha-protéobactéries, qui sont les grandes familles de bactéries gram-1. Et certaines de ces bactéries gram-1 sont des bactéries intracellulaires qui sont totalement dépendantes de leur hôte pour survivre. Donc, chez ces bactéries intracellulaires, il y en a certaines qui sont pathogènes, l'Ehrlichiae qui donne le typhus. Il y a d'autres exemples qui sont des symbiotes, les rhizobiacées, qui permettent de fixer l'azote chez les légumineuses. Les mitochondries sont également dérivées d'alpha-protéobactéries. Donc là, c'est l'exemple d'un mutualisme complet. Okay? La mitochondrie est devenue une partie de notre organisme. Donc l'idée, c'est que, bon, en gros, les bactéries, les alpha-protéobactéries parasitaires, pathogènes, sont devenues les mutualistes, petit à petit. Et donc, si ça c'est vrai, on doit trouver quelque part dans la biologie une situation où ces bactéries sont dans un état intermédiaire entre le parasitisme et le mutualisme. Et c'est ce qu'on pense avoir trouvé chez les Wolbachia. Donc les Wolbachia, c'est des petites bactéries intracellulaires qui sont tantôt parasitaires, tantôt mutualistes, selon le type d'hôte qui est infecté. Donc elles infectent les invertébrés, donc les arthropodes et les nématodes, pas des vertébrés. Et donc on est intéressé par eux parce qu'ils semblent occuper un petit peu cette place intermédiaire entre le parasitisme et le mutualisme. Alors, la prédiction du modèle, c'est que la transmission verticale doit favoriser le mutualisme. Donc ici, là, les rickettsias, les espèces pathogènes, elles ont une transmission horizontale. Okay, les mitochondries, c'est une transmission verticale. Les Wolbachia sont transmises de façon verticale, c'est-à-dire qu'elles sont maintenues comme des organites dans toutes les cellules de l'organisme. Elles sont transmises par la mère, dans les oocytes, lors de la reproduction. Donc, elles sont transmises comme les mitochondries. Alors, à la grande surprise, chez les insectes, chez les arthropodes, la majorité des espèces de Wolbachia sont encore pathogènes. Et ça, c'est curieux parce que si elles sont transmises de façon, si elles ont une transmission verticale, elles sont transmises comme un gène, comme un allèle. Mais si l'allèle a un effet néfaste et pathogène, ils ont un coût sélectif pour les organismes qui portent ce trait génétique et ils devraient être virés. Et en fait, en regardant bien, les Wolbachia pathogènes ne sont pas virés malgré une transmission verticale parce qu'en fait, elles vont modifier le système de reproduction de leur hôte pour favoriser la reproduction des femelles. Donc, c'est les femelles qui transmettent les Wolbachia et les Wolbachia vont manipuler leur système de reproduction de l'hôte pour favoriser sa propre transmission. Donc, dans ce cas-là, on n'aura pas l'évolution d'un mutualisme, parce que la Wolbachia, c'est lui qui contrôle tout, et elle favorise sa propre transmission en manipulant l'autre. Mais on a observé qu'il y a certains cas où la Wolbachia est transmise de façon verticale, mais il n'y a pas de modification du système de reproduction de l'autre. Mais elle est néanmoins maintenue. Et c'est dans ces cas précisément où on cherche les débuts d'un mutualisme. Donc on a deux exemples ici, une espèce de guêpe où la reproduction de l'hôte est devenue totalement dépendante de la présence de Wolbachia. Donc l'hôte et le parasite sont interdépendantes. Et chez le drosophile des mélanogaster,
dans une lignée qui naturellement porte la Wolbachia, on peut les guérir parce que ce sont des petites bactéries, donc on peut traiter avec des antibiotiques et virer les Wolbachia. On a remarqué que des espèces, une fois qu'on a enlevé les Wolbachia, les mouches devenaient plus susceptibles aux infections virales. Et dans ce cas-là, effectivement, la Wolbachia a apporté un bénéfice à l'hôte. Donc c'est vraiment un mutualisme qui a commencé à émerger ici. Donc cet exemple-là valide un petit peu la théorie qu'on a l'émergence d'un mutualisme suite à une transmission verticale. Donc ça semble être bien, ça explique l'émergence d'un certain nombre de symbioses, coopération inter-espèces, mais malheureusement ça ne va pas expliquer tout. Parce que quand on regarde d'autres exemples de symbioses, les lichens ou les coraux, on n'a pas forcément une transmission verticale. À chaque génération, chez les coraux, l'animal qui héberge l'algue photosynthétique va être libéré toute seule et à chaque génération, elle doit capter l'algue photosynthétique. Il n'y a pas de transmission verticale. Donc ce modèle n'explique pas tous ces exemples. Et d'ailleurs, la relation symbiotique ici semble plutôt dériver d'une relation prédateur-proie qu'une relation parasite-hôte. Donc ce n'est pas les algues photosynthétiques qui vont envahir l'hôte, c'est plutôt l'hôte qui va essayer de les englober, mais au lieu de les manger, il va les héberger. Le modèle théorique parasite qui va évoluer vers un mutualiste ne va pas pouvoir s'appliquer dans un grand nombre de mutualismes qui sont importants. Il explique un certain nombre, mais pas tout. Avant de quitter. OK. Donc, pour voir si vous avez bien compris ça, je vous propose cette petite question-là. Wolbachia, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est un modèle intéressant? Vous avez quatre choix possibles. Éventuellement, plusieurs réponses correctes. Donc, quels sont les éléments importants qui les rendent intéressants pour l'étude de l'évolution du mutualisme? Ah, juste pendant que vous êtes en train de réfléchir, j'ai un autre exemple de transmission verticale, transmission horizontale, mutualisme, pathogénicité. C'est chez les bactéries de l'intestin. Okay. Ça, c'est les bactéries qu'on a de chez nous, sont des bactéries mutualistes. Elles nous aident à digérer et nous protègent d'autres infections. Les bactéries qu'on a dans notre intestin, on les capte, on les acquiert très tôt, dès la petite enfance. Donc il y a une transmission verticale dans le cadre de la vie familiale. Tandis que les bactéries pathogènes qui vont nous donner des gastroentérites, ben ça, c'est ce qu'on a. On va choper une salmonelle ou quelque chose comme ça chez quelqu'un d'autre qui a été infecté. Donc, c'est une transmission horizontale. Donc, on a un lien transmission horizontale, pathogénicité qui est assez forte dans ce cas-là aussi. OK, tout le monde a bien réfléchi ici. Alors, Wolbachia pertinent pour l'étude de l'évolution du mutualisme parce qu'elles sont des parasites intracellulaires. Qui dit oui? Parce qu'elles sont des parasites à transmission verticale. Qui dit oui? C'est à peu près 10, on va dire. Parce qu'elles influencent la reproduction de l'hôte. Qui dit oui? À peu près 30. Et selon l'espèce, elles sont tantôt mutualistes, tantôt parasitaires. Qui dit oui? Ok, donc les réponses que je cherchais, parasites intracellulaires, non, c'est pas ça. Il y a des parasites intracellulaires qui sont pathogènes, c'est pas ça qui est important. Réponse 2, transmission verticale, c'est ça qui est le truc important. La prédiction du modèle théorique, c'est que la transmission verticale va entraîner un mutualisme. C'est pour ça qu'on les recherche. B, c'est correct. 4, le D, réponse 4. Ça aussi, c'est important. Parce que selon l'espèce hôte, on a des relations tantôt parasitaires, tantôt mutualistes. C'est ce qui nous indique qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger.
chez cette bactérie. Et trois, moi je dirais que ce n'est pas tellement ça. La modification du système de réduction de reproduction de l'hôte, ça explique pourquoi elle peut rester sur un mode de vie parasitaire, pathogène, malgré une transmission verticale. Mais ce n'était pas vraiment ce qu'on s'attendait à voir, en fait. OK. Donc, on va aller vers la fin. On a un petit quart d'heure. On va peut-être finir avec 5 minutes d'avance. On va considérer les différentes conditions qui semblent cohérentes ou qui sont cohérentes avec l'émergence de la coopération dans un système biologique sont cassées et sont rejetées la sélection naturelle. Donc, toutes ces solutions-là sont compatibles avec la sélection naturelle proposée par Darwin. Donc, le premier modèle que l'on a vu, c'était la kin selection. Okay. Donc, il y a un donateur, il y a un receveur, et cette action altruiste ou coopérative sera favorisée, peut émerger, si cette inégalité est respectée, si le coût est inférieur au bénéfice multiplié par le coefficient de relation. Donc ça, c'est la première règle qui a été explicitée. Et par la suite, Martin Novak et d'autres biologistes théoriciens ont essayé d'analyser chacune des questions pour comprendre quel était le facteur critique pour déterminer si la coopération va être favorisée ou non lors de l'évolution. Donc, notre deuxième exemple, c'était l'altruisme réciproque. C'est le jeu de dilemme du prisonnier. Et cette fois-ci, la coopération peut émerger si le coût est inférieur au bénéfice multiplié par la probabilité d'une deuxième rencontre. Donc, c'est ça qui est le facteur essentiel. C'est cet aspect qu'on a des interactions répétées entre les deux mêmes partenaires. Et aussi, la transmission verticale, c'est ça aussi. Hein. Donc, à chaque tour de reproduction du parasite, les joueurs sont les mêmes. L'hôte et le parasite, c'est les mêmes génotypes qui interagissent de façon répétée. Mais quand on a joué, quand vous avez joué le jeu de dilemme de prisonnier ici dans la salle, ce qu'on voit, c'est que les gens coopèrent dans les sociétés humaines beaucoup plus fréquemment que ce que l'on devrait faire selon le modèle ici. Et d'ailleurs, dans ma vie de tous les jours, j'ai interagi avec beaucoup de gens et je ne sais pas si je vais les rencontrer ou pas. Mais je suis d'accord pour bosser avec eux et inversement. Donc ça, ce n'est pas complet, ça n'explique pas tout, l'altruisme réciproque. Donc il y a un autre modèle qui était proposé, qui est l'altruisme indirect. Dans ce cas-là, le donateur, qui est en bleu foncé ici, il aide le receveur, qui est en rouge, la boule rouge, mais le receveur ne va pas lui rendre quelque chose. Le donateur recevra quelque chose à son tour par une tierce personne. Comment c'est possible? C'est que possible parce que si tout le monde sait que vous êtes bon, que vous êtes sympa, que vous jouez le jeu, etc., vous jouez pour l'équipe, ben d'autres gens vont être d'accord pour coopérer avec vous. Et ce qui est essentiel ici, c'est la probabilité de connaître la réputation de quelqu'un. Donc, cette aide-là, l'altruisme indirect, ça doit être conditionné donc, pour aider quelqu'un qui a une bonne réputation. Donc ça semble être quelque chose qui est plus valable dans les relations humaines. Et d'ailleurs, c'est ça qui joue quand on va faire un jeu de dilemme de prisonnier entre des gens, par des gens qui se connaissent. Parce que vous connaissez l'autre personne, vous avez une idée de comment ils vont jouer et vous sortez un petit peu du cadre ensuite du calcul mathématique. Vous tenez en compte un petit peu autre chose. Donc, un autre exemple d'altruisme indirect qui permet la coopération à grande échelle, c'est beaucoup moins évident, c'est l'argent. L'argent, c'est une invention incroyable qui permet aux gens qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas apparentés, de coopérer ou d'avoir une interaction qui est mutuellement bénéfique. Quand moi, je vais à la boulangerie, moi, la boulangère,
elle me donne quelque chose qui a un avantage, qui est un avantage direct pour moi, pour ma survie. Elle me donne quelque chose à manger. Moi, je lui donne rien qui lui donne un bénéfice pour sa survie. Je lui donne une pièce d'argent ou un billet. Mais c'est quoi ça? Le billet d'argent, de l'argent, c'est une promesse que quelqu'un d'autre, plus loin, va lui donner quelque chose qui lui est utile. Donc l'argent, c'est une façon de formaliser ces interactions d'altruisme indirect. Et la réputation, c'est quoi? C'est la valeur qu'a l'argent. Si l'argent perd sa valeur, bon, bah ok, on aura beaucoup plus de mal à fonctionner. Alors, les autres conditions qui permettent la coopération, c'est réciprocité sur réseau, la proximité géographique, et le dernier système qui semble bien marcher, c'est la sélection de groupe. On avait dit Win Edwards, il avait proposé ça il y a 55 ans, et les biologistes de l'époque lui avaient dit, non, vous avez tort, parce que la sélection intra-groupe sera toujours plus forte que les compétitions, ou la compétition intra-groupe sera toujours plus forte que la compétition entre groupes. C'était dit comme ça, comme un argument écrit, mais ce n'était pas vraiment exploré mathématiquement. Quand on le fait bien, la conclusion, c'est que sous certaines conditions, un bénéfice qui est au niveau du groupe peut aller à l'encontre d'un désavantage au niveau de l'individu. Donc ça, c'est quelque chose qui fait un grand retour, c'est l'effet de sélection de groupe en biologie. Et d'ailleurs, les choses qui sont pointées par les gens qui sont les nouveaux défenseurs de la sélection de groupe, c'est par exemple ils disent aux gens qui sont pointés sur l'individu, OK, vous regardez l'individu, vous dites que l'individu, c'est le seul niveau de sélection en biologie. Mais qu'est-ce que c'est qu'un individu? Un individu, dans la plupart du temps, c'est un organisme multicellulaire. Cet organisme multicellulaire, il a commencé comme un organisme unicellulaire au départ. Donc, à un moment donné, il est bien nécessaire que le niveau de sélection change. Au départ des organismes multicellulaires, c'est des collectivités d'organismes unicellulaires. Donc, on a absolument besoin de tenir en compte ces histoires de sélection de groupe parce que dans l'historique de la vie, dans le développement d'organismes multicellulaires, l'unité de sélection change. Au départ, c'est une cellule. Maintenant, c'est un organisme entier. Maintenant, vous avez des cellules. Et elles ne sont pas là en train d'essayer de se repiquer au maximum en compétition les unes après les autres. Sauf dans certains cas. C'est le cancer. Donc, ces conflits entre les sélections, entre différents niveaux, existent bel et bien dans la biologie. Sélection au niveau cellulaire, au niveau darwinien, ça existe. Mais on le supprime. C'est la sélection au niveau de l'organisme qui l'emporte. Okay? Donc, sélection de groupe, ça va avec les modèles de sélection en multiniveau. Alors, ça c'est le résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vais vous laisser réfléchir à ça. Et mon dernier message, c'est juste pour la semaine prochaine. Madame Constant m'a demandé de transmettre cette information-là. Vous devez vous renseigner sur la photosynthèse et lire ces deux pages web. Donc, je vous laisse comme ça. Et puis, bon week-end tout le monde.